Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour créer un groupe de discussion dans l'application de messagerie Signal. Pour cela, deux possibilités, soit à partir du menu à droite, et l'on fait « Nouveau groupe », ou bien en créant une nouvelle conversation. Ici, on nous le propose directement. Ensuite, on sélectionne les personnes que l'on souhaite ajouter à celui-ci. On appuie alors sur la flèche pour valider notre choix. À la suite, on indique le nom que l'on souhaite lui attribuer. À partir de l'appareil photo, on peut également y ajouter une image le représentant, soit en prenant une photo ou à partir de notre galerie multimédia. Dans ce cas, on la choisit et l'on valide avec cette icône. Pour finir, on appuie sur Créer. Important, si vous ne faites pas partie de la liste des contacts d'une de ces personnes, elle ne sera pas ajoutée automatiquement au groupe. Par contre, une invitation lui sera alors envoyée pour lui demander la permission pour y être intégrée. Entre-temps, elle ne pourra pas avoir accès à celui-ci et aux informations échangées telles que les messages et les médias envoyés. Enfin, on arrive dans celui-ci dans lequel on peut commencer à communiquer. Et en retournant sur l'écran d'accueil, on peut voir qu'il est visible et accessible comme une discussion normale. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo, merci infiniment.